Records only. Oh, il est doué le monsieur sur sa TY. Eh oui, on est sur l'espace réservé aux machines de trial d'époque. Petite TY 125, Bultaco 250, c'est super sympa. Il y a plein de démos à voir sur ce salon de roues de Lyon. Mais moi, je vais vous emmener voir une autre machine qui est bien sur la terre. C'est chez Fantic que ça se passe. On y va. Bon, j'ai mis des post-it parce qu'en fait, je l'ai acheté sur le salon. Non, c'est une grosse blague, mais je suis super content de l'avoir comme à Milan. La Caballero 700. Caballero, on est chez Fantic. Vous connaissez cette machine, elle aurait très bien pu aller sur la piste d'essai que je viens de vous montrer. Et ben là, on est reparti, on monte en gamme. On était sur du 500, aujourd'hui, on est sur du 700 avec le moteur Yamaha de la MT-07, de la Ténéré, le fameux CP2. Et info sur le salon de Lyon, j'ai le prix. 9 990 € pour la Caballero 700. Je trouve que c'est un prix quand même raisonnable placé pour ce haut de gamme italien. Fantic, vous connaissez, ça se déguste dans le détail. Il y a plein de petites pièces incroyables. Moi, j'adore le train avant de cette bécane avec les petites fourches, la usinée comme ça. C'est de toute beauté. Bon, il y a d'autres choses à voir chez Fantic qu'on va essayer également cette année sur la chaîne Motor Live. Là, ça concerne les plus jeunes d'entre nous. Je vous montre des 50 qui sont pas mal. Venez voir. Oui, c'est une Fantic. Et oui, Fantic fait du scooter. Pas n'importe quel scooter, du scooter électrique. Voici la nouvelle gamme Issimo à observer également dans le détail. Moi, j'adore ce petit décroché là au niveau du cadre. Ça augure du meilleur en ville. Bon, ça révolutionne pas hein, le segment de l'électrique. On est sur des modèles assez légers, 80 kg, avec des autonomies raisonnables hein, pour la ville. Mais je trouve ça cool que Fantic arrive sur ce segment avec un petit peu leur savoir-faire également au niveau de la transmission. Transmission par chaîne, gros système de freinage avec des beaux disques. Voilà, ça voilà. Moi, je trouve que la ville comme ça, ça peut le faire. Bon, je préfère la Caballero 700 quand même. Oh, vous en doutez. Hein. Allez, on part sur un autre sujet.